Radio. Agronome au départ, et j'ai été technicien dans une chambre d'agriculture, en agriculture dite conventionnelle, puis ensuite technicien dans un groupement d'agriculture bio, toujours sur le terrain, mais j'avais fait ma conversion vers la bio, et c'est pas anodin, je sais ce que c'est que de changer d'approche technique, et j'ai accompagné des agriculteurs dans ce changement. Donc quand je parle d'évolution vers une autre agriculture, je parle pas de quelque chose de théorique, je parle de quelque chose que j'ai connu et accompagné longuement. J'ai ensuite été un des animateurs, un des coordinateurs de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Donc à ce moment-là, je n'étais plus trop sur le terrain, malheureusement. Et à cette époque, j'ai été un des créateurs du réseau Semences Paysannes, qui a été évoqué tout à l'instant. Et avec notamment Guy Kassler, qui est de la région, même s'il est peut-être un peu loin de Montpellier pour venir ce soir. Et bon, j'ai traité d'autres dossiers, mais je ne vais pas tout vous raconter. Il faut laisser un peu de choses à découvrir pour la suite. Et maintenant, je suis devenu également anthropologue. Et donc, vous allez voir que j'ai pas mal d'éléments d'anthropologie dans mon approche de l'agriculture. Et pour moi, c'est vraiment important d'arriver de sortir de notre ethnocentrisme européen. Je vais commencer par un point qui est extrêmement important. C'est qu'on ne peut pas arriver à discuter de tous les sujets qui ont été ébauchés à l'instant si on ne commence pas d'abord par comprendre que l'agriculture n'existe pas. Elle n'existe pas au singulier. Il y a des agricultures. C'est extrêmement important parce qu'on réduit tout le temps le débat à savoir si l'agriculture doit être avec ou sans chimie, pesticides notamment, évidemment, si elle doit être industrielle ou paysanne, si elle doit être intensive ou extensive, productiviste ou pas productiviste, etc. On est tout le temps dans une vision binaire où il y aurait une agriculture unique qui serait l'un ou l'autre. Tant qu'on reste dans cette vision de l'agriculture, on ne pourra jamais comprendre les problèmes, on ne pourra jamais comprendre les solutions, on est complètement à côté du sujet. L'agriculture, ce n'est pas une chose unique. Il y a des agricultures. Ça a été inventé entre 15 et 30 fois dans l'histoire de l'humanité. On n'est pas complètement sûr parce qu'il y a des foyers potentiels d'invention de l'agriculture dont on n'est pas sûr si ce n'est pas des foyers secondaires d'un autre foyer. Mais globalement, elle a été inventée dans au moins 15 endroits différents dans le monde. Là, ici, ça regroupe plusieurs foyers différents. Hein. Ici aussi, il y en a au moins deux. Maintenant, on est en train d'en découvrir probablement un troisième. Ici, il y en a plusieurs aussi. Et puis, dans tous ces foyers, il y en a trois qui ont joué un rôle historique très important. C'est la Chine, le croissant fertile, Syrie-Irak actuel, et la Mésoamérique, l'Amérique centrale. Pourquoi est-ce qu'on jouait un rôle important? Attention, pas parce que c'était des meilleures agricultures que les autres, uniquement parce que les hasards historiques font que ce sont les agricultures de régions qui ont développé des grandes civilisations. C'est tout. Donc elles se sont imposées autour d'elles. Et en particulier celle-là. C'est celle-là qui a gagné l'Europe, et c'est celle-là que l'Europe a ensuite imposée au monde, sous un terme qu'on utilise aujourd'hui, qui est l'agriculture conventionnelle. C'est une façon d'éviter de la définir comme productiviste, intensive, parce qu'elle n'est pas forcément, loin de là. Essayer de mettre des qualificatifs, c'est toujours piégeant. L'avantage de l'appeler agriculture conventionnelle, c'est que ça permet de dire simplement l'agriculture qui fait convention aujourd'hui dans les institutions internationales. C'est juste une histoire de convention, je ne porte pas de jugement, je constate un fait. Et c'est vraiment important de comprendre comment elle est construite, parce que c'est comme ça qu'on aura les outils pour avoir les réponses aux différentes questions qui ont été ébauchées tout à l'heure par Pierre. Ça, est-ce que pour vous, c'est un... vous diriez, ah tiens, quel bel exemple d'agriculture biologique. Non, pas trop. Donc en fait, au fond de vous, vous savez très bien que la question de bio ou pas bio, c'est pas qu'une question de chimie. Parce que là, il n'y a pas de chimie. Hein. Là, tout ce qu'on voit, c'est de la poussière, du gigantisme et de la surmécanisation. Mais instinctivement, vous voyez bien que c'est pas ça le modèle de la bio. Donc dans le fond, vous savez bien que la bio, c'est pas qu'une question de chimie. Et donc la question de l'agriculture, elle doit pas être résumée à cette question-là. Avant de parler de la question des pesticides, etc., il faut vraiment se poser la question, enfin comprendre de quoi on parle. Et donc je vais prendre un petit moment à vous expliquer ce qu'est l'agriculture conventionnelle, donc celle qui est apparue au croissant fertile, et qui a gagné l'Europe, et qu'on a imposée au monde, d'abord dans une première salle au XVIe siècle, avec la colonisation notamment d'une partie de l'Afrique et de l'Amérique, puis au XIXe siècle avec toute la colonisation en Afrique et qui continuait aussi en Asie, etc. Et puis à nouveau la dernière salle dans les années 1970, avec ce qu'on a appelé la Révolution verte,
Donc il faut bien comprendre que ça n'avait strictement rien d'écologique. Vert, à l'époque, c'était la couleur de l'agriculture, c'était pas du tout la couleur de l'écologie. Et la révolution verte, c'était pas autre chose que la généralisation de l'agriculture conventionnelle à l'ensemble du monde. Autrement dit, une agriculture qui n'est pas faite pour l'ensemble du monde, qu'on a imposée à l'ensemble du monde. Et donc il faut comprendre comment elle est faite. D'abord, elle est née dans le croissant fertile, comme je disais, pour des raisons que je ne vais pas chercher à déterminer, parce qu'il n'y a pas forcément du déterminisme là-dedans. Elle est basée sur ce qu'on appelle des cultures pures. Une culture pure, c'est une culture par parcelle. Dans un champ de blé, il n'y a que du blé. Dans un champ de maïs, il n'y a que du maïs. Dans une vigne, il n'y a que de la vigne. Autre caractéristique de cette agriculture, c'est qu'elle est héritière, enfin, c'est notamment implantée à l'époque gréco-latine, où s'est construit en Europe un mode de pensée qu'on appelle le mode de pensée réductionniste. Alors, réductionnisme scientifique, c'est le fait de réduire le monde à des modèles simples. On réduit à des équations. On simplifie pour pouvoir mettre en équation. Et on pense que regarder par petits bouts les choses suffit à comprendre le monde, il suffit ensuite de recoller les morceaux pour comprendre. Bah, si vous connaissez un petit peu l'évolution de la recherche aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Et puis aujourd'hui, on a une approche plutôt systémique, où on est bien d'accord. C'est une évidence que le tout est plus que la somme des parties. Mais dans l'approche réductionniste, le tout c'est juste la somme des parties, c'est plus simple, c'est un faux morceau et c'est ainsi. Et surtout, on va raisonner action-réaction. On met en équation. C'est une méthode qui est extrêmement utile, hein, même encore aujourd'hui. La science a besoin d'une approche réductionniste. Mais quand on n'a que ça et qu'on pense que le modèle représente le monde, là c'est très dangereux. Et c'est, malheureusement, ça a été une mode de pensée de l'Europe, notamment autour de la pensée d'Aristote. L'archétype, le fondateur de cette pensée-là, c'est Aristote. Dans cette approche-là, par exemple, on va vous dire, je vais être très concret, bah, sous les arbres, les rendements sont moins importants. Si vous regardez une parcelle où il y a des arbres, enfin, les arbres sur le côté, effectivement, sous les arbres, il y a moins de rendements. Moi, je vois très bien à côté de chez moi, j'ai une parcelle de luzerne, la dernière repousse, là, c'est quand même assez râpé la partie près de la haie, et puis c'est beaucoup plus. Il y a davantage de luzerne qui repousse au milieu. Donc c'est vrai, il y a moins de rendements sous les arbres. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'arbres? S'il n'y avait pas d'arbres, le rendement au milieu de la parcelle serait beaucoup plus faible que ce qu'il est avec les arbres. Donc la vision réductionniste consiste à dire, puisqu'il y a des rendements plus faibles sous les arbres font baisser des rendements, il faut les couper. Alors que la réalité, c'est que grâce aux arbres, les rendements au milieu sont supérieurs à ce qu'on a perdu sur le bord, et donc on y gagne en réalité en moyenne sur l'ensemble de la parcelle. Et en plus, on y gagne à long terme parce que les arbres améliorent la fertilité. Je vais donner un autre exemple parce qu'il est très très important dans la compréhension de l'agriculture conventionnelle et des débats qu'on a aujourd'hui et des problèmes. C'est qu'au 19e siècle, on s'est rendu compte que les plantes, en dehors du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène qu'elles récupèrent dans l'air et dans l'eau, les plantes ont besoin en particulier d'azote, de phosphore et de potassium. Et le problème, c'est que l'azote, le phosphore et le potassium sont présents dans le sol, mais sous forme fixée, sous forme non disponible pour les plantes normalement, puisque c'est dans ce qu'on appelle l'humus, dans les macromolécules, le complexe argilo-humique. Donc c'est des grosses molécules où ces atomes sont fixés. Comment est-ce qu'on fait pour les récupérer? Grâce à la vie du sol. En réalité, c'est une partie des bactéries du sol qui se nourrissent de l'humus, et en se nourrissant de l'humus, libèrent ces éléments minéraux qui ensuite pourront être absorbés par les plantes. S'il n'y avait pas de vie du sol, les plantes ne pourraient pas se nourrir dans un sol. Et donc on s'est dit, enfin nos ancêtres se sont dit, puisqu'on est très intelligent, qu'on a tout mis en équation, et bien on va apporter directement azote, phosphore, potassium, directement aux plantes, ce sera beaucoup plus simple, on contrôlera tout. Le symbole de l'azote c'est N, du phosphore c'est P, du potassium c'est K, c'est le fameux engrais NPK. Le problème quand on fait ça, c'est que quand tout va bien, c'est bon, hein, d'avoir des engrais solubles, c'est bon. Le problème, c'est que quand il se met à faire plus froid, la plante se met au ralenti. Elle a besoin de moins absorber d'éléments minéraux. Dans un état normal, une plante sauvage, le sol se met au ralenti aussi, il libère moins d'éléments minéraux. L'équilibre est parfait. Si vous avez mis des engrais solubles, le problème c'est pas qu'ils soient chimiques de synthèse, hein, c'est qu'ils soient solubles. Vous allez avoir la plante qui va disposer d'éléments minéraux, même lorsqu'elle s'est mise au ralenti parce qu'il faisait froid. Et comme elle en dispose, elle les absorbe. L'absorption est en grande partie passive. Résultat, vous avez une plante dont la sève est gorgée d'éléments minéraux, dont elle n'utilise que très peu puisqu'elle est au ralenti. Bah, c'est exactement comme si vous aviez un grand garde-manger, que vous aviez bien rempli, et donc vous laissiez les portes grandes ouvertes. Il ne faut pas vous étonner s'il y a des maladies, des parasites qui viennent s'installer là-dessus. En fait, cette approche-là a rendu les plantes fragiles. La vraie question n'est pas comment est-ce qu'on fait pour soigner les plantes en bio,
La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'embête à rendre les plantes fragiles en conventionnel ? Beaucoup ont du mal à comprendre qu'il faut revenir à cette première question. Et donc le problème, c'est le fait qu'elles soient solubles. Hein. Et là, en parenthèse, pour vous parler de la bio, en bio, les lisiers, qui sont naturels, sont interdits aussi. C'est pas une interdiction de la chimie, c'est une interdiction de, des engrais solubles. Les engrais de chimie de synthèse, ça c'est sûr, mais aussi certains engrais naturels qui sont nocifs, comme, enfin nocifs, qui déséquilibrent le sol et les plantes, comme le lisier. Et également les digestats métalliseurs, dont on oublie un peu trop souvent, qui sont essentiellement minéraux, qui posent un vrai problème agronomique. Autre caractéristique de cette agriculture conventionnelle, c'est qu'elle est basée sur une vision élitiste des savoirs. Notamment depuis, enfin en France c'est très facilement datable, c'est à l'époque de Louis XIV quand ont été créées les académies. On a sacralisé le savoir des lettrés et, dévalorisé les savoirs traditionnels, les savoirs paysans en particulier, etc. Il se trouve que j'ai en anthropologie travaillé sur la musique et il y a un ethnomusicologue, Luc Chardominique, qui a fait un bouquin qui d'histoire de la musique, qui explique très bien comment l'Académie de musique a été construite pour tuer la confrérie des maîtriers et rapatrier l'autorité en musique dans la main des aristocrates, en l'occurrence des lettrés, avec une obsession du côté lettré, savoir écrire la musique, etc. Et en agriculture, il y a eu la même chose. Toutes les académies, en fait, en France, ont été faites dans ce but-là. C'est l'académie, les académies, c'est une oligarchie qui s'accapare la légitimité du savoir. Et en agriculture, il y a eu les physiocrates d'abord, puis les agronomes. J'aimerais bien le mot physiocrate, même si c'est pas beau, parce que ça avait le mérite de finir par crate, comme l'aristocratie, cette vision élitiste. Mais ensuite, on s'est appelé les agronomes, qui sont arrivés à cette époque-là, et qui ont. Nous, on sait, nous, on est lettrés, et on va vous dire comment il faut faire. Et cette approche réductionniste, plus cette vision élitiste, se concentre dans un truc qui est vraiment aujourd'hui le pilier de l'agriculture mondiale, de l'agriculture conventionnelle. Mais vraiment le pilier qui tourne autour de ça aujourd'hui, c'est la sélection des plantes et des animaux, si on parle des plantes, les semences. Parce que on a mis en place des modèles théoriques d'agronomes d'évolution des plantes. Enfin, ces modèles qu'on a construits, j'attire votre attention sur le fait qu'on les a construits bien avant de connaître la structure en double hélice de l'ADN. On parlait de génétique bien avant de connaître l'ADN. Et on a fait des modèles de génétique depuis le 19e siècle. Et après la Seconde Guerre mondiale, toujours avant de connaître la structure de l'ADN, on a mis en place des systèmes de sélection sur ces modèles théoriques d'agronomes pour augmenter les rendements. Sur une base qui paraît assez logique, mais qui est très simpliste, qui consiste à dire à chaque génération, on va prendre la plante qui a le meilleur rendement. Donc, comme ça, petit à petit, on va améliorer les rendements. Ça, c'est vraiment une vision réductionniste de l'évolution. Et il y a un vrai problème dans, le fait que ça ait marché, parce que ça a marché, hein, ça a augmenté les rendements, ça y va tout. C'est qu'on a une paresse intellectuelle incroyable, en France en tout cas, c'est qu'on considère que puisque ça a marché, ben on ne va pas regarder ailleurs, c'est bon. Mais vous savez, parfois, il y a 100 choix qui marchent. C'est rare qu'il y ait un seul choix qui marche. Parfois, il y a 100 chemins qui s'ouvrent. Sous prétexte qu'il y a un choix qui a marché, il ne faudrait jamais en changer, même quand on se rend compte qu'il mène à une impasse. Ben non, je suis désolé, l'intelligence c'est de dire ok, ça a marché, mais vu que ça mène à une impasse, il serait peut-être temps d'essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Et en l'occurrence, il y en a d'autres. Et là, c'est que ça a conduit à une standardisation, à une uniformisation des plantes et des animaux, et ça a conduit donc à une industrialisation, parce que derrière, il fallait en vendre beaucoup pour rentabiliser les semences. Donc, il y a eu des règlements qui ont obligé à acheter ces semences pour pouvoir rentabiliser le travail de recherche, donc standardisation, industrialisation, concentration capitalistique, etc. Quand vous mettez ensuite ces plantes et ces animaux dans un milieu avec lesquels ils n'ont pas coévolué, il y a un problème, comment ils vont faire? D'autant que la réglementation sur les semences aujourd'hui en Europe impose, pour inscrire une nouvelle variété, de prouver qu'elle a des meilleurs rendements que les meilleures variétés déjà inscrites dans tous les milieux d'Europe. Il faut qu'elle ait des super rendements aussi bien en Finlande qu'en Espagne, aussi bien en zone de montagne qu'en zone de plaine, etc. En botanique, c'est rare de trouver des plantes qui arrivent à pousser dans tous ces milieux à la fois. Quand je dis rare, je suis peut-être gentil. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on applique une loi fondamentale de l'agriculture conventionnelle. J'ai tendance à penser que c'est aussi une loi fondamentale de l'économie, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Mais pour l'agriculture conventionnelle, j'en suis sûr, c'est quand le réel et le modèle ne sont pas d'accord, c'est toujours le réel qui a tort. Donc on avait adapté les plantes et les animaux au milieu pendant 10 000 ans, et bien aujourd'hui, on adapte le milieu aux plantes et aux animaux.
On artificialise le milieu à coup d'engrais, à coup de pesticides, parce qu'il y a des déséquilibres biologiques énormes, donc c'est des plantes ultra fragiles, donc il faut les protéger, à coup d'antibiotiques pour les animaux, etc. Mais ça marche, ok. Ça, on va dans le mur, mais ça marche. Une autre caractéristique, je vais passer rapidement, mais dans le débat, si vous voulez, on pourra en parler, parce que c'est très important aussi, c'est le productivisme. La productivité, ça veut dire rendement par travailleur. Contrairement à ce que certains disent en agriculture, sans doute parce que ça les arrange qu'il y ait une confusion, c'est pas le rendement par hectare. Le rendement par hectare, c'est intensif. Après, on peut dire intensif en intrants, intensif en pétrole, intensif en emploi, à ce moment-là, c'est l'inverse de la productivité. On peut faire tout ce qu'on veut en intensif, mais si on dit intensif tout court, c'est le rendement par hectare. Mais la productivité, c'est pas ça, c'est vraiment par travailleur. L'agriculture, elle est productiviste, elle augmente la productivité. Pourquoi? Parce que quand l'agriculture a été inventée, on a en fait perdu en qualité alimentaire. Les inventeurs d'agriculture étaient plutôt moins bien nourris. Mais ça s'est quand même imposé pour des raisons sociales, symboliques, création des hiérarchies, des pouvoirs, etc. Bon, voilà, ça s'est imposé. Mais il y avait un autre problème. C'est que un cueilleur-pêcheur-chasseur travaille à peu près 3 heures par jour pour se nourrir. Un agriculteur travaille toute la journée. Donc il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire du tissage, fabriquer des outils, se promener, faire l'amour, enfin bref, vivre quoi. Enfin, comment on fait? Ben, comment on fait? On augmente le rendement par travailleur agricole de manière à ce que d'autres personnes puissent faire autre chose. Si un agriculteur produit de quoi nourrir 2 personnes, ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui vont faire autre chose. Si un agriculteur produit de quoi nourrir 50 personnes, ça veut dire qu'il y a 49 personnes sur 50, donc 98% des gens qui vont faire autre chose. Ça veut dire que c'est la différence. Et donc, on a toujours cherché à augmenter la productivité. Et ça, c'est pas une tare particulière de l'agriculture conventionnelle du croissant fertile et de l'Europe. Hein. Ça, c'est à peu près presque toutes les agricultures ont été productivistes pendant une grande partie de leur période, de leur existence. Sauf que, bah, c'est vachement utile, a priori, la productivité. Ça permet de libérer des bras. Libérer des bras, ça a permis de faire les premières cités-états. Bon, ça a permis de faire pas mal de guerres, malheureusement. Ça a permis de construire les pyramides. Ça a permis de construire les cathédrales. Notre-Dame de Paris a été construite à une époque d'abondance en Europe. Le Moyen-Âge, c'est pas que des périodes sombres. Ça a permis de faire la révolution industrielle. Ça a permis de reconstruire l'Europe après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Ça permet d'aller prêter à Pôle emploi ou d'aller mourir de faim dans les favelas. C'est ça le problème. Et j'insiste là-dessus parce que c'est une méthode de pensée qui est très importante quand on se pose des questions agricoles. C'est pas noir ou blanc. Le productivisme, c'était pas du tout un gros mot jusqu'aux années 50, disons. Mais aujourd'hui, dans un monde de chômage de masse, le productivisme, c'est criminel. Quand vous avez des salariés agricoles du Brésil qui se retrouvent remplacés par des machines et des chimies et qui vont mourir de faim dans les favelas, ben, je suis désolé, j'appelle ça des pratiques criminelles. Et sans parler de tous les bidonvilles qu'il y a ailleurs dans le monde. En plus, cette production productiviste, conventionnelle, de soja en particulier, sert à nourrir notre bétail et fait en partie sur la déforestation de l'Amazonie. Donc, c'est quand même un magnifique exemple de ce qu'il faut complètement qu'on arrête de faire. Et tout ça, ça marche. Parce que ben, si on a une seule plante par parcelle, qu'en plus c'est des semences standardisées et que c'est super mécanisé, ben, qu'est-ce qu'on fait? On a des tracteurs de plus en plus lourds, des charrues de plus en plus larges, des pulvérisateurs de plus en plus larges, on coupe les haies, on arrase les talus, on comble les fossés, on va jusqu'à passer sur la route pour retourner pour faire demi-tour histoire d'être sûr de bien mettre la charrue au ras de la route. J'ai vu faire en Bourgogne. Et puis voilà, ça marche très bien. Avec plein de défauts. Vous connaissez le problème des pesticides, donc je ne vais pas m'étendre. Je pense qu'il y aura de quoi dire dans le débat, sur ce qu'on veut faire aujourd'hui, ici et maintenant, sur la question. Mais je vais juste rappeler une chose, c'est que les pesticides, ils ne sont pas seulement dans notre assiette. Ils sont dans l'eau, extrêmement présents dans l'eau. Ils sont dans tous les milieux. Et ils sont dans l'air. Ils sont aussi très volatiles. C'est d'ailleurs un des problèmes dans le sujet qui nous occupe sur les périmètres de protection. Et donc, ces pesticides se retrouvent partout. Il faut qu'on arrête d'imaginer que les champs sont d'un côté et puis les milieux naturels de l'autre, de la même manière qu'il faut qu'on arrête d'imaginer que les champs sont d'un côté et que les maisons sont protégées par des murs quand il n'y a pas de murs. Ben, c'est pareil, les milieux naturels ne sont pas séparés des champs. Les oiseaux, ils passent d'un champ à la forêt sans arrêt. Les insectes, les rongeurs, et ça, pareil. Donc en fait, dire il y a des milieux naturels, c'est bon, il n'y a pas de pesticides là-bas, c'est juste se cacher derrière son petit doigt. Du moment qu'il y a plein de pesticides dans les milieux agricoles, ils sont partout et c'est tous les écosystèmes qui sont impactés. D'où l'effondrement de la biodiversité actuellement. C'est une des 5 causes majeures de l'effondrement de la biodiversité, reconnue par l'IPBES.
l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est PBES. Là, on a gardé le terme, le sigle anglais, je ne sais pas pourquoi. Il y a un autre aspect très important dans, dans les sujets qu'on se pose par rapport à l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'on mange? Il y a un rôle d'apport des nutriments, des briques du vivant, mais ça, si vous mangez de façon équilibrée, variée, les fameux 5 fruits et légumes par jour, tout ça, il n'y a pas de problème. Le facteur limitant, c'est l'énergie. Parce que, et d'ailleurs, quand j'ai ces facteurs limitants, les rations alimentaires sont mesurées en énergie. Kilojoules, kilocalories, c'est l'énergie. C'est bien ça, le facteur limitant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie sur Terre tire son énergie du soleil. Même le pétrole vient du soleil, puisque c'est des végétaux qui sont fossilisés. L'énergie, la source de la vie sur Terre, c'est le soleil. Alors les champignons, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont soit symbiotiques, soit parasites. Donc parasites, vous comprenez, hein, ils vont se nourrir sur les autres, les maladies cryptogamiques. Soit ils sont symbiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont, se mettre en accord avec les plantes pour faire des échanges de sucre, ils récupèrent du sucre en échange de minéraux, d'eau, etc., grâce à des liens, des contacts entre les racines des champignons qu'on appelle des mycéliums, parce que ce n'est pas des plantes, ça s'appelle pas des racines, mais des mycéliums, et puis les racines des plantes, qu'on appelle des rhizomes en fait. Donc mycélium et rhizome, ça donne mycorhize. La mycorhize, c'est un réseau de symbiose entre les champignons et les plantes. Mais nous, les animaux, eux, ils sont plutôt parasites, je dirais. On est assez rarement symbiotiques, je crois. Et donc, on se nourrit d'animaux, et puis de végétaux, bien sûr. Essentiellement, on peut se nourrir d'animaux, en tout cas, on produit d'animaux. On n'est pas obligé. Et par contre, on est obligé de se nourrir au minimum de végétaux. Donc, on mange pour récupérer l'énergie qui a été récupérée par les végétaux. Donc, pratiquer l'agriculture pour produire plus d'aliments, c'est juste une optimisation d'un transfert d'énergie. Le but de l'agriculture, c'est transférer l'énergie solaire vers l'énergie assimilable par l'homme. Bien sûr, comme dans tout système, vous pouvez rajouter un élément pour le faire produire davantage. On peut injecter du pétrole là-dedans, avec des machines, avec des engrais, pour faire produire davantage. Si on injecte une unité de pétrole dans le système agricole des États-Unis aujourd'hui, combien ça produit en retour d'unités d'énergie assimilable par l'homme? Pour une unité de pétrole injectée, vous récupérez combien d'énergie humaine, à votre avis? En fait, 0,07 dans les derniers calculs de Pablo Servigne. C'est-à-dire 15 fois moins. Aujourd'hui, aux États-Unis, on injecte 15 unités d'énergie fossile pour récupérer une unité d'énergie assimilable par l'homme. En Europe, on est à 2 ou 3. C'est-à-dire, on est aussi négatif. On consomme plus d'énergie fossile qu'on ne produit d'énergie assimilable par l'homme. Vous allez me dire, ça fonctionne quand même. Ben oui, tant qu'on a du pétrole, ça fonctionne. Tant qu'on bouffe le capital, qu'on détruit la planète et qu'on injecte du pétrole dans le système, ça marche. Mais c'est pas l'énergie solaire qu'on récupère aujourd'hui, c'est l'énergie du pétrole. Et qu'on gaspille complètement, parce que un rendement de 15 pour 1, c'est catastrophique. Cette agriculture-là, elle nourrira jamais le monde. C'est impossible. Ça ne marche, ça ne fait illusion que tant qu'il y a du pétrole. Il faut bien comprendre que quand on parle d'effet de serre, on parle, d'ailleurs maintenant on parle surtout de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique. En fait, le problème, c'est pas l'effet de serre. Parce que l'effet de serre, il existe depuis toujours sur Terre, enfin depuis très longtemps, depuis qu'il y a la vie, et c'est ce qui permet à ce que la température soit correcte. S'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 20 aujourd'hui, ici. Donc c'est utile. Le problème, c'est pas l'effet de serre. Le problème, c'est l'augmentation d'effet de serre au-delà du niveau d'équilibre qui a permis le développement de la vie. Et cette augmentation de l'effet de serre, donc ce déséquilibre par rapport à ce que doit être l'effet de serre, elle est due à l'homme. Donc c'est l'augmentation anthropique de l'effet de serre. C'est bien de ça qu'il faut parler. L'augmentation due à l'homme de l'effet de serre. C'est un calcul du GIEC, c'est que l'ensemble des filières agricoles prises dans leur globalité, c'est plus de 30% de l'effet de serre. Donc c'est quand même un tiers, hein, un tiers de l'effet de serre. L'augmentation anthropique de l'effet de serre est due à l'agriculture. C'est énorme. À l'échelle de la planète, c'est le changement d'affectation des sols. C'est pas tellement le fait de travailler le sol, c'est le changement d'affectation des sols, c'est-à-dire c'est le fait de remplacer de la forêt par autre chose, c'est le fait de retourner des prairies pour en faire des cultures. Donc ça joue un peu avec le travail du sol, mais une fois qu'un sol est mis en culture, qu'il soit labouré ou pas, ça change pas énormément sur ce plan-là. Par contre, l'agriculture conventionnelle libère aussi du CO2 et donc est mauvaise, mais ça c'est plutôt un coup de fond, je dirais. Et donc c'est le changement d'affectation des sols, déforestation, mais aussi suppression des prairies. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Les prairies sont un lieu non seulement de biodiversité extraordinaire en Europe, bien plus, ça c'est le lieu où il y a plus de biodiversité en Europe, et plus exactement les lisières, prairies, forêts, c'est là le top. Et c'est pas vrai en Amazonie, hein. On n'allait pas dire qu'il faut mettre des prairies en Amazonie.
Là-bas, c'est la forêt. Et puis les prairies, donc, si on y retourne, ça dégage énormément de CO2, donc c'est très mauvais pour l'effet de serre. C'est les engrais azotés. En Europe, c'est ça qui contribue le plus à l'effet de serre. Les engrais azotés, si vous mettez 100 kg d'azote sur un hectare, qui est une fertilisation assez moyenne, hein, il y a des gens qui font beaucoup plus que ça, 100 kg d'azote sur un hectare, vous contribuez autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui parcourt 10 000 km. Pour juste un hectare. Donc c'est vraiment énorme. C'est la principale contribution de l'agriculture française à l'effet de serre. Moralité, quand on vous dit il vaut mieux un produit qui vient d'à côté, enfin pour l'effet de serre, il vaut mieux un produit qui vient d'à côté plutôt qu'un produit bio qui vient de loin, c'est pas vrai. Si vous raisonnez effet de serre, il vaut mieux un produit qui vient de loin mais qui n'a pas reçu d'azote chimique plutôt qu'un produit qui vient d'à côté mais qui en a reçu. Après, il y a plein de raisons de soutenir l'agriculture locale, mais l'argument de l'effet de serre est faux. Alors évidemment, l'idéal, c'est bio et local. Là, vous avez tout bénéfice. Le méthane, le fameux élevage, ne vient qu'au troisième, et il y a un vrai problème, c'est que très souvent, on nous parle du méthane comme si on partait de zéro. C'est-à-dire qu'il y a eu... On part de... Ben, l'état de référence, c'est qu'il n'y aurait aucun méthane émis, et puis l'état de l'agriculture, c'est le méthane, enfin l'élevage, c'est le méthane émis par l'élevage actuellement. Ben, je m'excuse, mais là, il y a un vrai problème méthodo. Hein. S'il n'y avait pas d'humains en Europe, il y aurait des animaux. Il n'y aurait pas zéro animaux en Europe. S'il y avait des humains, il y aurait une émission de méthane par les animaux sauvages. Et dans les milieux naturels européens, si on avait des prairies, etc., on avait des grands troupeaux d'herbivores sauvages qui migraient, etc. On ne peut plus les avoir, d'abord parce que nos ancêtres les ont exterminés. On n'a plus que des petits herbivores maintenant, les chevaux, les chevaux, les vaches, tout ça, c'est tout petit par rapport à ce qu'il y avait avant. Et puis ils ne peuvent plus migrer. Enfin, il y a des humains partout, c'est pas possible. Donc la seule façon d'entretenir les prairies, de maintenir les milieux tels qu'ils sont, c'est d'avoir de l'élevage. J'ai pas dit qu'il fallait forcément manger les animaux. C'est deux choses différentes. J'admire absolument les végétariens, qui pour moi sont acteurs d'un choix éthique le plus élevé possible en matière d'alimentation. Simplement, ne pas manger d'animaux ne veut pas dire qu'il faut pas en élever. Il faut bien distinguer les deux. Et donc l'élevage en soi ne fait pas pire en matière d'effet de serre que ce qu'il y aurait s'il n'y avait pas d'humains. Le problème, c'est pas l'élevage. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est l'élevage industriel. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une abomination sur tous les plans. En termes de bien-être, enfin, en termes de respect des animaux, c'est monstrueux. Pour les humains aussi. En termes d'effet de serre, en termes de pollution, c'est une catastrophe. Mais ça, c'est pas forcément mauvais pour l'effet de serre. Des vaches à l'herbe, c'est pas forcément mauvais. Donc, l'élevage industriel est une catastrophe, mais pas l'élevage en général. Il faut faire gaffe à ça. Et en fait, le seul truc qui est vraiment problématique pour le cycle des éléments, c'est le phosphore. Mais là, ceux qui disent en bio, vous n'y arrivez pas, c'est difficile. J'aimerais qu'ils soient un peu honnêtes. En conventionnel, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en conventionnel, le seul phosphore qu'ils peuvent utiliser, c'est un phosphore minéral. Le phosphore ne se synthétise pas, c'est pas possible. Le seul phosphore dont on dispose, c'est le phosphore minéral. Des mines, qui sont en phase d'épuisement. On aura le pic du phosphore avant d'avoir le pic du pétrole. Aujourd'hui, on approche d'une période où le phosphore va devenir de plus en plus cher et on va avoir de moins en moins de phosphore disponible. Donc les conventionnels qui ne savent faire que ça pour l'équilibre d'utiliser du phosphore minéral, eh ben, ils vont pas savoir quoi faire. Alors qu'en bio, comme on s'en passe, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a des animaux, là aussi c'est essentiel d'avoir des animaux. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas faire de bio sans animaux. Et grâce aux animaux, avec le fumier et le compost, on ramène du phosphore. Certaines plantes peuvent aussi aller mobiliser du phosphore qui était indisponible pour le rendre disponible. Le sarrasin qu'on cultive dans la belle région de Bretagne, notamment à cette capacité-là. Et donc le phosphore c'est pas simple, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et de toute façon il n'y a pas de raison qu'on y arrive plus mal que les conventionnels, parce qu'au moins nous on cherche, alors qu'eux ils cherchent même pas. Eux ils prennent le minerai et c'est tout, donc ils vont avoir un problème. Donc non, pour le cycle des nutriments, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Par contre ça, c'est très technique, ça demande à être très très bien pensé. Et il y a le seul point sur lequel je fais un bémol, c'est qu'à très long terme, une fois qu'on aura vraiment mis les choses à plat, si on veut vraiment tout boucler le cycle, il va falloir utiliser les déjections humaines. Parce que là, on est en train de sortir les éléments du cycle avec les déjections humaines. Et le problème, c'est que les déjections humaines, qui vont dans les stations d'épuration, etc., c'est complètement perdu. Mais même si vous arrivez à les récupérer, dans les déjections humaines, il y a les pilules, des femmes qui prennent la pilule, il y a les médicaments, etc. Donc, pour l'instant, c'est très difficile de les valoriser, de les réutiliser en agriculture. Mais j'espère bien qu'on va s'attaquer. Ce n'est pas le plus urgent pour l'instant, mais dans un deuxième temps, il faudra qu'on s'attaque parce qu'à long terme, il faudra bien y arriver. Maintenant, j'en arrive aux solutions parce que quand même, vous dites, allez, alors, c'est quoi les réponses à tout ça? D'abord, pour trouver les solutions,
Bah, si on arrêtait de se croire le centre du monde, si on admettait qu'il y a eu plein d'autres agricultures inventées dans l'histoire de l'humanité, bah, on irait peut-être regarder un peu ce qui se passe ailleurs. On va avoir des cultures associées. Les cultures associées, c'est le fait d'avoir non pas une plante par parcelle, mais plusieurs plantes en même temps dans la même parcelle. Et la plupart des agricultures du monde sont construites là-dessus, d'ailleurs, quasiment toutes. Il n'y a eu que l'agriculture conventionnelle qui n'est pas construite là-dessus. C'est infiniment plus performant que les cultures pures. Parce que pour une raison très simple, hein, ça optimise la lumière du soleil, notamment. Donc forcément, c'est performant. Et avec un système comme ça, vous allez toujours, dans l'ensemble des plantes que vous avez là, vous allez toujours avoir des légumineuses. Ils sont capables de capter l'azote atmosphérique pour le transformer en azote organique grâce à une symbiose bactérienne au niveau de la racine. Donc le transformer en azote fixé dans le sol et disponible ensuite pour les plantes. Et pour la vie du sol d'abord, bien sûr. Or, l'azote, c'est une ressource absolument illimitée. Donc on arrête avec les engrais azotés, première cause européenne de contribution à l'augmentation des pollutions tropiques de l'effet de serre. Arrêtons avec cette imbécilité que sont les engrais azotés. Penser qu'il faut apporter de l'azote minéral en agriculture, c'est soit de l'incompétence parce qu'on ne connaît rien à ces agronomies-là, soit de la malhonnêteté. Il n'y a pas besoin d'azote minéral en agriculture. Le modèle de culture associée a aussi commencé à être connu en France, parce qu'ailleurs il a été connu sous toute bien, mais en France sous la notion de jardin créole, voilà, ce qu'on appelait le jardin créole dans les îles. C'est là que les Français ont commencé à se rendre compte qu'on pouvait faire autrement. L'idée, je dirais, qu'il ne manque pas d'eau, on a des trucs qui marchent pas mal. Dans les milieux arides, on connaît quand même les oasis. Les oasis, c'était quand même souvent des cultures avec plusieurs étages, enfin des systèmes avec plusieurs étages de culture et tout ça. Il faudrait arriver à retrouver des savoirs qui ont été perdus, parce que la colonisation a fait beaucoup de mal aussi là-dessus, en dénigrant les savoirs et en faisant perdre énormément de connaissances. Après, un autre avantage des cultures associées, c'est que par exemple, là, quand vous avez un pied de maïs ici, à côté de Bogumpuyi, vous en avez un autre ici. Ben pour qu'une maladie adaptée au maïs se déplace de celui-là à celui-là, elle doit traverser 2 mètres de jungle. Parce que tout ce qui n'est pas maïs, pour elle, c'est de la jungle. Donc elle a beaucoup de mal à se développer, cette maladie. Un paysage viticole avec des grandes surfaces où il n'y a que de la vigne, que de la vigne partout. Ben, quand il y a une maladie qui s'installe dans un bout de la région, ben, pour aller à l'autre bout, elle a un boulevard. Elle saute d'un pied à l'autre. Et elle a un boulevard. Quand vous avez un champ de maïs où il n'y a que du maïs, ben pareil, c'est un boulevard. Donc il y a vraiment, c'est une autre façon de concevoir l'agriculture, d'éviter les maladies ou de s'embêter à les soigner après. Quoi. Il y a plein d'autres avantages aux cultures associées, je ne vais pas tout développer, mais notamment ça permet de lutter contre l'érosion, ça permet d'avoir une diversité alimentaire, et puis ça permet, la résilience, c'est la faculté de s'adapter au changement. D'une année sur l'autre, ben, on ne sait pas ce qui va marcher, on ne sait pas la température qu'il va faire, la pluviométrie qu'il va y avoir, etc. Ben, quand vous avez plein de cultures différentes dans la parcelle, il y en a forcément une qui va donner quelque chose. Vous allez vous débrouiller pour faire un mélange assez souple autour des conditions de votre milieu. Et donc, s'il fait très sec, il y en aura une qui va donner. S'il fait très humide, c'est une autre qui va donner. Alors évidemment, la première donnera peut-être moins, mais peu importe. Vous aurez à manger. Les cultures associées, c'est une assurance tout risque. Alors que quand vous avez une monoculture, une culture spéciale, une culture pure, ben, si jamais les conditions ne sont pas adaptées à votre culture, ben, vous n'aurez rien. Le maïs, il vient d'Amérique latine, il ne vient pas du tout d'un monde de culture pure. Le maïs, il a été cultivé en culture associée. Comme ici, avec la vie de Pâques, un exemple parmi d'autres, hein, il y en a d'autres. Vous avez de la courge qui va couvrir le sol tant que le maïs n'est pas développé, etc. Et on peut inventer plein de choses. Ici, on ne va pas faire de la courge, ça n'a pas d'intérêt. Elle ne poussera pas plus vite que le maïs, donc elle ne récupérera pas plus vite à l'air du soleil. Ici, il faut inventer autre chose. En Afrique, au Bénin, ce qu'ils avaient trouvé, c'est qu'ils mettaient de l'arachide entre les rangs de maïs. Et une fois que le maïs se développe, c'est le moment où l'arachide est récolté, et puis c'est bon. Il faut essayer de trouver des idées, en tout cas. Et, en fait, ces approches-là que je viens de vous montrer un peu rapidement, mais vous voyez, avec tout ce que je vous ai dit avant, vous voyez bien la logique globale de la chose, qui n'est plus du tout celle de l'agriculture conventionnelle. Si, en plus, vous ajoutez à ça le fait d'avoir des variétés et des animaux qui vont s'adapter au milieu, au lieu d'adapter les milieux d'animaux et aux variétés, donc si vous avez ce qu'on appelle notamment des semences paysannes, vous avez tous les éléments agronomiques d'une production par hectare bien plus grande, d'une intensivité en fait bien plus grande que celle de l'agriculture conventionnelle. Il y a un malentendu souvent entre les semences anciennes et les semences paysannes. C'est que souvent on va parler de semences anciennes, variétés anciennes, ou races locales. Pour les animaux, on parle plutôt de races locales. C'est pas du tout parce que local c'est mieux que quand ça vient de loin. C'est pas du tout parce que ancien c'est mieux que nouveau. C'est pas du tout une vision passéiste, c'est pas du tout une vision chauvine. Hein. Faut vraiment pas se tromper là-dedans. C'est uniquement parce que les variétés, pour parler des végétaux, et
faudrait aussi dire beaucoup sur les animaux. Les variétés du catalogue, les variétés que les agriculteurs ont le droit de cultiver, sont des variétés qui sont standardisées, qui sont toutes cousines les unes des autres. Par exemple, les blés, ah, il y a des milliers de blés au catalogue, ok. Sauf qu'ils sont tous descendants de Noé, qui était un blé nord-africain qui a été utilisé pour décaler un peu les dates de semis des blés en Europe à la fin du 19e. Ils sont tous consanguins. Il y a une très faible diversité génétique entre les blés. Donc si vous voulez avoir une grande diversité génétique pour avoir une grande capacité à s'adapter à des conditions différentes, pour avoir un pool génétique évolutionniste, d'évolution, il faut retourner chercher les variétés anciennes. Si vous voulez avoir des plantes qui sont capables d'évoluer et non pas figées, ben aussi, parce que les variétés du catalogue, pour être inscrites dans le catalogue, elles doivent être stables. Ça veut dire qu'au bout de quelques années, elles dégénèrent. Je ne parle même pas des hybrides F1, dont certains ont peut-être entendu parler. Elles, c'est dès la première génération qu'elles ne sont pas intéressantes. Mais même les lignées pures qui ne sont pas F1, au bout de quelques années, elles dégénèrent, elles sont plus bonnes, parce qu'elles ne sont pas faites pour être semées. Et donc, les semences paysannes, ce n'est pas l'ancien pour le plaisir de l'ancien, c'est juste du pragmatisme. Mais le but, c'est d'avoir des variétés évolutives, adaptables et évolutives. Alors, avec les contextes du dérèglement climatique, je pense que ça se comprend facilement. Et donc, une fois qu'on a mis en place toute cette approche-là, et évidemment qu'on essaye de valoriser la main-d'œuvre au lieu de la supprimer comme on fait depuis la Seconde Guerre mondiale, on arrive à un truc qui peut être décrit comme ça, un organisme agricole. C'est-à-dire remettre en relation la société humaine, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas d'agriculture sans humain, les écosystèmes naturels et la dimension agricole. Et dans ce schéma, ce qui est important, ce n'est pas cette flèche-là, c'est celle-là. C'est qu'on est dans une dynamique systémique, où on met tout en relation. Et cette approche-là, ça correspond à une évolution des sciences européennes, normalement. À la fin du 19e, début du 20e, toutes les sciences européennes sont devenues systémiques. La recherche médicale est devenue systémique. La médecine de ville, pas toujours. Hein. Quand on vous dit un symptôme, un médicament, ça c'est quand même un peu réductionniste. Mais quand on dit une maladie, un médicament, c'est déjà mieux. Et la recherche médicale, en tout cas, elle est systémique depuis Pasteur, ou même d'autres, depuis cette époque-là. La physique, quand la physique quantique vous dit qu'un point il peut être à la fois dans le cercle et hors du cercle, hein, à la fois, c'est exactement la contradiction totale d'Aristote. Aristote disait un point, il est dans le cercle ou hors du cercle, mais il ne peut pas être les deux. Ce qui nous paraît logique, puisqu'on est culturellement totalement marqué par la pensée réductionniste encore aujourd'hui. Mais les scientifiques, ils ont appris à dépasser ce formatage culturel, et aujourd'hui, la science occidentale, elle est systémique. Et la physique quantique a démontré que l'électron, il y a plusieurs endroits à la fois. À la même époque, il y a eu des gens qui ont essayé de transformer l'agriculture, d'appliquer cette révolution systémique à l'agriculture. Malheureusement, ça n'a pas pris, mais ils ont essayé. Alors, il y a Steiner qui est souvent cité, comme fondateur de la bio, etc. Plus que Steiner, moi, je m'intéresse plutôt à Pfeiffer, qui est celui qui a pris en note les conférences de Steiner, qui a publié après la mort de Steiner les conférences, sans doute à sa sauce un petit peu, et qui surtout a expérimenté pendant 10 ans les idées de Steiner, les a mises en application, les a modifiées, améliorées. Et donc, Pfeiffer a publié en 1938 un livre qui s'appelle « Fécondité de la Terre », qui est le livre fondateur de l'agriculture biologique. Et après, il a vu qu'il était allemand, et en 1938, il n'était pas exactement dans la lignée du régime allemand de l'époque, et donc il a fui aux États-Unis, donc il a arrêté son expérimentation, malheureusement. Et puis, il y a eu à la même époque, Sir Herbert Howard, qui était un Britannique, qui avait travaillé 30 ans en Inde, chef agronome en Inde, et qui, en s'inspirant beaucoup des savoirs indiens, a inventé à peu près la même chose au même moment, et que lui a appelé organique agriculture. Organique agriculture, c'est pas exclu que le mot organique fasse référence à l'organisme agricole, parce que tous les deux parlent de ça, tous les deux parlent d'organisme agricole, et qui est à l'origine du mouvement bio-anglais, et l'agriculture organique a été malheureusement très mal traduit en français par agriculture biologique. En fait, ce que je viens de vous présenter, c'est ce que les fondateurs de la bio voulaient mettre en place. Alors vous allez me dire, ouais, le règlement européen bio, c'est pas exactement ça. Bah ouais, bien sûr, comme tout, hein, il y a un idéal, et puis après il y a les compromis politiques, les influences de l'agroalimentaire, et machin, c'est des compromis, mais dans le fond, ce que la bio essaie de faire, c'est ça. Et donc c'est exactement la définition d'origine de l'agriculture biologique. Et notamment Naturel Progrès, puisque je suis invité par Naturel Progrès qui a été la première association à écrire un cahier des charges d'agriculture biologique en 1972, s'inscrivait complètement dans ce courant d'agriculture biologique. Mais pour des raisons qu'on pourra débattre maintenant, parce que je vais bientôt conclure, Nature et Progrès a décidé, enfin certains, parce qu'il y a
les deux, ça va être le progrès. Certains préfèrent parler aujourd'hui d'agroécologie, ou d'agroécologie paysanne, mais c'est ça qui est écrit sous ce terme-là. C'est juste parce que certains estiment que le mot bio a perdu un peu de son sens à cause du règlement européen, et donc pour revenir aux fondamentaux, ils parlent d'agroécologie, donc c'est de ça qu'ils parlent. Et les Pierre Capi, c'est aussi de ça qu'il parle, je suis assez bon savoir, vu que j'ai fait un livre avec lui sur le sujet. Le problème, c'est que l'agroécologie, c'est un mot qui est aussi utilisé pour dire complètement autre chose. Un mot qui, pour moi, est malheureusement très ambigu, c'est pour ça que je continue à parler de bio des fondateurs. Mais on peut aussi parler d'agriculture paysanne. Ce que défend la Confédération paysanne, la FADEA, avec l'agriculture paysanne, c'est aussi cet organisme agricole. Sauf que, eux, le chemin qu'ils prennent, c'est de commencer plutôt par la dimension sociale et économique. La bio, c'est plutôt de commencer par l'interdiction des pesticides de synthèse, des produits chimiques de synthèse, parce que c'est un outil pour faire changer les pratiques, mais le but, c'est changer les pratiques, c'est pas juste dans les produits. Donc, l'important, c'est y a plusieurs manières d'y arriver. La permaculture, c'est un des courants de la bio, qui s'est un peu autonomisé de la bio, mais au départ, ça en faisait partie, et ça en fait toujours partie, cette partie de la Fédération internationale bio. Il y a différents chemins pour y arriver. Moi, j'ai envie de dire, sortons des bagarres de terre, hein. L'important, c'est d'être conscient qu'on avance tous vers cet organisme agricole et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de converger quand il y a éventuellement des petits chemins pour y arriver qui sont un peu différents. Pour arriver à un organisme agricole, l'interdiction de la chimie est un moyen. Donc c'est hyper important de comprendre que quand on dit la bio, c'est l'interdiction des produits chimiques de synthèse, c'est faux. Vous confondez le but et le chemin. L'interdiction de la chimie n'est qu'un moyen, c'est pas le but. La méthanisation a quand même d'abord, surtout été faite pour des raisons donc de productivisme, c'est-à-dire augmenter la productivité. Et vraiment, il faut arrêter de croire, ce qu'on a raconté beaucoup à l'école, hein, que la méthanisation a été faite pour améliorer les conditions de travail. C'est pas vrai. De motorisation, en fait, de la méthanisation, où le but explicite à la fin du 18e et du 19e siècle était de standardiser, de prendre le contrôle par l'industrie de la production agricole, bien plus que d'améliorer les conditions de travail. Toute la mécanisation qui est faite uniquement pour produire plus et produire plus et produire plus, il faut qu'on arrête ça. Cela dit, ça a nettement amélioré les conditions de travail. Les moissonneuses batteuses, c'est évidemment un sacré progrès. Je ne vais pas dire le contraire. Mais simplement, il ne faut pas se tromper de cause. Il faut bien revenir à la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on mécanise pour améliorer les conditions de travail. Et je vais même dire, il y a des domaines où il faut encore qu'on avance. En maraîchage, il y a un vrai problème de sous-mécanisation du maraîchage. Le maraîchage diversifié, j'entends, justement, de culture associée, de maraîchage diversifié. Pourquoi ? Bah, notamment parce que justement, l'industrie, ça ne l'intéressait pas. Hein. On voit bien que c'est pas vertueux, ces trucs-là. Hein. Et aujourd'hui, on ne part pas de zéro. Vous ne faites pas des cultures associées qu'on pouvait faire au Moyen-Âge, qu'on d'ailleurs en Europe, on ne faisait malheureusement pas. Et si la semence triennale a été un progrès, c'est bien parce que l'agriculture du bas Moyen-Âge était catastrophique. On part, par exemple, herbe dans les vignes, ou herbe sous les fruitiers, c'est des cultures associées, une prairie complexe avec plein d'espèces, c'est vachement diversifié en flore. Pas de problème, hein, l'organisation, la volonté des animaux, c'est bon, quoi. Dans les vignes, c'est un peu plus compliqué parce que faut pas qu'ils mangent les feuilles, mais je sais parce que mon grand-père était berger sans terre et amenait ses moutons dans les vignes, que si vous surveillez, j'ai moi-même été berger quand j'étais gamin avec les moutons de mon père à moi, si vous surveillez les moutons, ils ne mangent pas les feuilles des vignes, mais bon, c'est compliqué si vous n'avez pas de verger sous la main, donc il vaut mieux les mettre quand il n'y a pas de feuilles, c'est quand même mieux. Mais même quand il y a des feuilles, vous pouvez y arriver, hein, parce que les moutons, ils mangent d'abord l'herbe. Ils mangent les feuilles quand ils n'ont plus assez d'herbe. L'autre solution, c'est d'avoir tout simplement des plantes qui vont être des arbres, par exemple, sur cette agroforesterie, des arbres qui vont être en ligne. Et là c'est conçu, sarrasin et noyer, c'est conçu pour que vous puissiez passer la moisson de plateau. Ça, c'est des super cultures associées, hein. Bocage, les prairies, richesses floristiques, faunistiques, insectes, oiseaux, tout ça. Puis vous mettez des animaux là-dedans. Après, vous mangez la viande ou pas, mais ce serait idiot de ne pas boire le lait, tout ça, parce que ça, c'est pas un problème. Donc vous avez des cultures associées, qui est un truc qui se fait beaucoup en bio, c'est céréales légumineuses. Ben, il suffit d'avoir des légumineuses, févrole, pois, vesse, etc., qui vont arriver à maturité en même temps que la céréale. On choisit des variétés de légumineuses, des variétés de céréales, qui vont être à maturité en même temps. Et ça, vous le moissonnez exactement pareil. Donc on ne renonce pas du tout à la mécanisation. Et on peut trier derrière. On peut même avoir diverses céréales ensemble et les trier après. Maintenant, on a des trieuses optiques qui font un boulot fabuleux. Il y a 50 ans, ce n'était pas simple. Aujourd'hui, avec les trieuses qu'on a, c'est vraiment pas un problème, quoi.
La question, c'est la pénibilité, c'est le temps de travail. Mais travailler à la main, où est le problème? Enfin, même aller dans des champs de céréales, comme font des bio, de temps en temps, aller arracher un peu de rumex, un peu de trucs qui passent, c'est pas un problème. Ah, ça devient un problème quand on a des fermes trop grandes. Ah, ça, c'est sûr. Si on n'a pas le temps de, le faire, ça devient la course, ça devient infernal et ça devient un problème. Donc, si on a des fermes qui sont équilibrées, qui sont rentables à une échelle de main-d'œuvre raisonnable, c'est pas un problème technique. Et franchement, moi, je préfère aller désherber plutôt que passer ma vie sur un tracteur. Parce que moi, tous mes voisins, tous les gens que je connais qui ont passé leur vie sur le tracteur, ils vont chez kiné une à deux fois par semaine aujourd'hui. Donc bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément gagné en qualité. Cette approche-là, qu'on appelle bio, permaculture, agroécologie, paysanne, ou ce que vous voulez, elle peut sans aucun problème nourrir l'humanité. Le problème alors certains vont dire, ouais, mais la démographie c'est peut-être un problème. La démographie c'est sûrement un problème, mais pas pour des raisons agricoles. Ne mélangeons pas les problèmes. D'un point de vue alimentaire, on peut très bien nourrir 12 milliards d'humains sur Terre sans problème. Sans problème, ça devient un peu plus compliqué là avec l'accélération du dérèglement climatique, mais c'est quand même pas encore trop inquiétant. Ça pourrait bien venir, mais pour l'instant ça va. Alors, si vous voulez, un exemple que je peux donner, c'est la ville de Rennes, en Bretagne. Il y a une étude qui a été faite par une professeure et des élèves de l'école d'agronomie de Rennes en calculant combien est-ce qu'il faut aujourd'hui de surface autour de Rennes pour nourrir la ville. Il faut, de mémoire, une fois qu'on enlève la surface de la ville elle-même, il faut un anneau de 15 km autour de la ville pour nourrir la ville de Rennes aujourd'hui en agriculture conventionnelle. Et ils ont calculé qu'est-ce qui se passerait si, premièrement, on passe l'agriculture en bio, entièrement. Deuxièmement, on met en bio comme ça, pas en bio juste en allant en chimie, en vrai bio. Deuxièmement, si on utilise des espaces urbains qui sont aujourd'hui complètement gaspillés, par exemple une prairie, une pelouse avec interdiction de marcher sur la pelouse, ben, je m'excuse, je vois pas trop l'intérêt. Quitte à ne pas marcher sur la pelouse, autant faire des légumes, c'est aussi joli qu'une pelouse, et puisque de toute façon vous ne marcherez pas dedans, c'est pareil. Et des plantes, des cultures avec des fleurs, c'est aussi joli que des fleurs toutes seules. Donc utiliser les espaces urbains pour faire un peu d'agriculture, et en réduisant la consommation de viande, ça c'est un truc fondamental. De toute façon, il faut réduire la consommation de viande par rapport au modèle carné occidental. Ça, ce modèle carné occidental, soit en conventionnel, en bio, en tout ce que vous voulez, ça ne peut pas marcher à long terme. De toute façon, il faut manger moins de viande que ce que fait l'Occident. Et bien avec ces aspects-là, et bien, pour nourrir Rennes, il ne faut plus qu'un anneau de 8 km seulement, au lieu de 15. C'est-à-dire qu'on a même besoin de moins de surface. Et là, c'est vraiment centré sur une ville. Ben, Rennes, c'est quand même, grosso modo, 300 000 habitants, je crois, l'agglomération. Si on veut faire évoluer l'agriculture vers cette démarche-là, mais il y a plein de problèmes. Il y a un problème d'abord, c'est que les agriculteurs ils sont piégés dans un système. Le modèle conventionnel que je vous ai présenté, il a tout standardisé au niveau de la production, mais aussi au niveau de la transformation, de la distribution, avec les grands groupes agro-industriels, avec les semences qui sont aussi des fabricants d'engrais, de pesticides, et qui sont aussi liés à des fabricants de matériel agricole, etc. Avec l'agroalimentaire, enfin grosso modo l'agrochimie, en tout cas aujourd'hui, est la deuxième plus grosse puissance économique après le pétrole. Les multinationales du pétrole, c'est les plus puissantes au monde. Les deuxièmes plus puissantes au monde, c'est les multinationales de l'agroalimentaire. Et ça, ça cadenasse tout. Et donc les agriculteurs, avec ce système, avec les systèmes d'aide qui sont complètement biaisés, etc., sont piégés. Si vous dites à un viticulteur de l'Hérault, en fait, si tu veux arrêter d'avoir des problèmes dans ta vigne, si tu veux éviter, par même en bio, de devoir mettre un peu de sulfate de cuivre parce que une monoculture de vigne, c'est pas bio, mais dans lui, c'est que le paysan bio et il va pas changer les voisins, il va pas changer le paysage, il n'a pas ce pouvoir-là, donc il fait ce qu'il peut. Donc dans un monde bio idéal, il n'y aurait pas de monoculture de vigne, mais dans le monde actuel, ceux qui sont en bio, ils ont des maladies. Donc par défaut, ils utilisent l'olive bordelaise le moins possible, ils essayent de trouver autre chose, etc., mais ils en utilisent peu. L'olive conventionnelle, on en utilise aussi, il ne faut pas faire croire que c'est que les bio qu'on utilise. Et les conventionnels, ils rajoutent plein d'autres trucs. Mais si on veut éviter ça, il faudrait, je sais pas, peut-être arracher un tiers des vignes. On pourrait remettre des arbres dans les lignes, on pourrait remettre des céréales intercalées entre les parcelles, de l'élevage, etc. L'ennui, c'est que si vous dites ça à un viticulteur, il va vous dire t'es bien gentil, mais moi, si j'arrache un tiers de mes vignes, je perds l'essentiel de mon. Enfin, je suis plus rentable. Je perds trop de revenus, c'est plus rentable. Parce que c'est la production à la plus forte valeur ajoutée. Mais c'est pareil pour les maïsiculteurs dans le sud des Landes, qui vont, si vous leur dites faites autre chose que du maïs, c'est plus rentable leur système. Donc, en fait, le problème aujourd'hui, il n'est pas de dire aux agriculteurs « débrouillez-vous pour changer ». Le problème, si on veut engager cette transition, c'est d'arriver à dire « ok, c'est notre responsabilité de citoyen, d'élu,
ça aurait été bien que les élus, là, les municipales qui se préparent, viennent pour nous dire un peu ce qu'ils vont faire. C'est aux élus locaux, c'est aux élus nationaux aussi, de mettre en place d'autres cadres de production, d'autres cadres économiques, pour que les biais qui défavorisent cette approche-là sautent, et que cette approche-là soit aussi rentable que les autres. Parce que techniquement, elle l'est. Mais économiquement, elle ne l'est pas, à cause des biais, des aides, à cause des subventions cachées, à cause des pollutions qui ne sont pas prises en compte, à cause de toute une histoire de capitalisation économique, etc. Et donc, l'enjeu aujourd'hui que moi j'ai envie de vous mettre en débat, c'est comment est-ce qu'on fait changer ça, non pas en disant « les vilains agriculteurs, ils n'ont rien compris, ça marche, il faut qu'ils y passent », mais en disant « ok, on sait où on veut aller, mais c'est quoi les points de blocage aujourd'hui ?» Et les points de blocage, ils ne sont pas techniques. Les points de blocage, ils sont politiques. Et c'est ça, en fait, dont il faut discuter le plus. Si vous avez, par exemple, des variétés populations de blé, des blés qui vont être avec plusieurs lignées génétiques différentes, qui vont s'adapter au milieu, c'est formidable, reparties de variétés anciennes, ben, par exemple, on va dire, comme on l'a dit à un ami à moi qui est en Bretagne, Nicolas Supio, on a dit, ben, votre pain, votre blé, c'est bien gentil, mais la farine n'est pas panifiable. Alors, il dit, c'est quand même bizarre, parce que j'ai pris des variétés anciennes qui étaient faites, qui faisaient le pain des Bretons il y a un siècle. Ben oui, en fait, ça veut dire que c'est pas panifiable industriellement. Parce que on a fait la sélection des blés dans une interaction avec les besoins de l'industrie, et aujourd'hui, les blés du catalogue sont faits pour une panification industrielle. Si derrière, c'est une panification artisanale, c'est nickel. Si derrière, c'est une panification industrielle, le gars, il va pas y arriver. Parce que les minotiers, ils vont pas acheter son blé. Donc, il y a des choses à changer. C'est pas juste changer les agriculteurs, c'est aussi et n'oublions pas qu'il faut changer aussi nos pratiques alimentaires. Dans la commune qui est en cours, il y a 38 organisations de la société civile, enfin environnementaliste, de solidarité internationale et paysanne, qui sont regroupées dans un collectif qui s'appelle le groupe Pour une autre PAC, dans lequel je représente AG pour l'environnement, et où on essaie de construire pour la nouvelle politique agricole commune des propositions de ce qu'on appelle des bérons pour services environnementaux. Et ça, c'est quand même utile. Il faut aussi des aides qui sont liées un petit peu à l'hectare, éventuellement avec le plafonnement, mais pour acter le fait que quand un mode de production rend un service environnemental, c'est-à-dire permet de faire des économies derrière, il faut que ce soit rémunéré enfin. Il faut qu'on arrête de subventionner finalement indirectement les pollueurs. Il faut subventionner ceux qui sont vertueux. Donc il faut un peu d'aide à l'État. Il faut aller vers des aides le plus possible vers la main-d'œuvre, vers l'UTH, comme on dit, l'unité de travail humain. C'est d'ailleurs ce que demande le groupe Pour une autre PAC sur les conférences paysannes depuis très longtemps. Depuis l'Antiquité, le cours mondial, le cours international de l'aliment, des aliments, a toujours été un cours à perte. Parce qu'une entité géographique politique qui fonctionne, elle assure d'abord son autosuffisance alimentaire. Et ensuite, elle doit forcément avoir des surplus. Parce que si elle assure son autosuffisance alimentaire, les années où ça marche bien, elle a un peu plus, forcément, parce qu'elle prend de la marge. Et puis, elle a des stocks de réserves. Bah, quand il y a de la marge, bah, il faut le vendre, puisque il y a trop. Les stocks, ça périt, donc il faut de temps en temps les renouveler, donc il faut les vendre. Et dans les deux cas, il faut vendre vite des trucs qui, de toute façon, ne sont pas vitaux, donc on s'en débarrasse à perte. Et donc, le cours mondial des aliments, depuis l'Antiquité, est un cours à perte. C'est normal, c'est pas un problème. La rentabilité se fait sur les cours intérieurs, sur les marchés locaux. Le problème, c'est que depuis 1994, on n'a plus le droit d'avoir un cours intérieur différent. Lorsque l'agriculture est entrée dans le GATT, qui à ce moment-là a changé de nom et s'est appelé l'OMC, ça a été avec cette loi que tous les pays du monde doivent aligner leur cours intérieur sur le cours mondial. Et donc, on oblige tous les agriculteurs du monde à vendre à perte. C'est une aberration. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les pays qui n'ont pas les moyens de subventionner leur agriculture, catastrophe. Leur redonner le droit d'un peu de protectionnisme pour assurer des prix intérieurs rentables, ça c'est quand même pas la moindre des choses. Et les pays qui peuvent subventionner leur agriculture, ben, ils choisissent. Et l'Europe, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle subventionne l'agriculture conventionnelle. Et donc, le système conventionnel, grâce à ça, arrive à être rentable alors qu'il ne l'est pas. Et la bio, enfin, l'approche générale, l'agroécologie paysanne, etc., l'est moins parce qu'elle est moins subventionnée. En France, on a eu des paysans qui se sont engagés en bio, ou sont, on appelait ça la bio, mais qui ont changé de technique, agriculture paysanne, etc. Maintenant, permaculture, qui intéresse beaucoup de gens. On a des gens qui se sont lancés là-dedans, malgré le système qui fait que c'est pas rentable. Et ils ont essayé de faire fonctionner le système.
d'une certaine manière, c'est la démarche des colibris. C'est-à-dire, je fais ma part, je fais mon truc dans mon coin, je vais voir si ça marche. Je vais essayer de montrer que ça peut marcher. Et cette démarche-là, elle était absolument nécessaire. C'est grâce à eux qu'on a acquis progressivement des connaissances qui nous permettent de dire aujourd'hui, ça marche. Mais si on veut changer d'échelle, et il y a l'urgence à changer d'échelle, on doit passer à une autre phase. Maintenant, on ne peut plus juste que ce soit des gens motivés, militants, prêts à perdre de l'argent, prêts à s'épuiser au travail, qui vont, contre le vent dominant, essayer de faire fonctionner un truc que tout le système économique essaye de rendre non rentable. Alors grâce au fait qu'en Lyon on a pu vendre des produits un peu plus chers, ça a permis de le rendre rentable. Mais ça ne peut pas forcément arriver à faire ça partout, c'est pas forcément évident. Et donc maintenant il faut qu'on passe à un autre cap, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change les règles. Il faut que tout ce qui fait que l'agriculture performante est moins rentable, c'est quand même une aberration, il faut que ces verrous-là sautent. Et il faut mener des programmes à grande échelle. Sur la question des protections de riverains par rapport aux pesticides, il évoquait que je suis très engagé dans ce combat-là, puisque je suis également, à titre bénévole, secrétaire général de l'association Agir pour l'environnement. Et à ce titre, on est extrêmement engagé depuis cet été dans le soutien aux maires qui ont pris des arrêtés de protection des riverains. Et on a d'ailleurs rencontré quelqu'un du cabinet du ministre de l'Agriculture mardi et on rencontre quelqu'un du cabinet du ministère de l'Environnement lundi. À l'agriculture, pour une fois, c'était quelqu'un qui a eu un peu d'écoute. Mais bon, c'est pas toujours le cas et on verra bien ce qui en sortira. Je suis pas très optimiste. Mata tu, pea mendemu.